Good morning, allez, Yidan, mais c'est aujourd'hui le Lunishmat, Avram Mordechai Ben Israël qui va finir David Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Batester, si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étions dans la salle de retour avec Yudbet Mishnah, Bet Nisset, Abba Al Noten la Maisonot, Vehen Notin Lad, mes Maisonot. Mais tout, Bnoten Nisonot Minechassim Benechorin, Vehen Nisonot Minechassim Shabadim, Yipenei Shehi Keba Alat Chov. הפיקחים היו כותבים על מנת שאזון את ביתך 5 ans כל זמן שאת עימי. On continue notre Mishnah, le sujet ouvert dans la Mishnah précédente, sous deux aspects. Dans la Mishnah précédente, on a parlé d'un cas où on avait Yaakov qui se marie avec une femme, Léa, et Léa, elle a une fille d'un mariage antécédent, et elle avait une fille, donc une certaine Dina. Lorsque Yaakov se marie avec Léa, il s'est engagé expressément dans la Ktouba de lui donner, en plus, à manger durant 5 ans. Ils ont calculé, la petite Dina, elle a aujourd'hui 10 ans, on va la nourrir jusqu'à qu'elle a ses 15 ans. D'accord? Et maintenant, ce qui s'est passé, on a évoqué dans les mishnah précédentes, ensuite, la situation est compliquée, que Yaakov, au bout de 2 ans, il a fini par divorcer la mère, Léa. Léa, ensuite, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, on avait dit Narchon. Et maintenant, ce Narchon aussi, il s'est aussi engagé de payer, de donner à manger pendant 5 ans à la fille. Donc en fait, elle a, il lui reste encore pendant 2 ans, où ça se chevauche, où Yaakov et Narchon doivent tous les deux donner à manger à la petite, et donc on va lui donner un repas, et en plus de ça, la valeur d'un repas. Et là, la Mishnah, elle va continuer encore pour couronner le tout. Elle va nous dire qu'en fait, imaginez qu'en fait, la petite Dina, après, au bout de 3 mois que sa mère s'est mariée, elle en avait marre de sa mère qui change de mari tous les 2 ans. Et elle est partie se marier elle aussi, la petite Dina. Et son mari, maintenant, il s'est engagé aussi à nourrir sa femme. Donc regardez maintenant, il y a 3 personnes qui sont engagées à la nourrir. Son mari, parce que c'est la Ktouva. Et Yaakov et Narchon, chacun des maris de la mère, ils s'est engagé aussi à payer 5 ans. Bah, qu'est-ce qu'elle fait la fille? Elle touche 3 fois les maisons d'hôtes. Tout simplement. Nisset. Si elle se marie, Abal n'entend la maison note, le mari lui donnera, son mari lui donnera les maisons notes, il lui donnera à manger, parce que chaque mari a l'obligation de donner à manger à sa femme, et Vehen n'entend la dmei maison note. Et les autres, les deux maris, devront lui donner les dmei maison note, la valeur des repas. D'accord? Parce qu'en fait, ce qu'on apprend de là, c'est la notion qu'on a déjà évoquée quand on a introduit la mishnah précédente, lorsque je m'engage dans ma Ktouva, et là, ça va être là, on va commencer dans la suite de la Mishnah, on va prendre, c'est pour ça que je vais m'attarder un peu pour expliquer l'histoire, que lorsque je me marie avec une femme, je m'engage avec des conditions de Ktouva. Les conditions de Ktouva, elles se trouvent dans les lois de Even Haizer, dans la partie de la section de Shulchan Aruch, Even Haizer. Ça parle des lois, c'est pas un engagement classique qui marche comme toutes les règles d'engagement de donner de l'argent à quelqu'un. Si je m'engage, on fait une pause de la Mishnah et je vous explique le principe. Comme ça, j'introduis la suite. Je peux m'engager à vous donner 10 000 shekels. À partir du moment où je me suis engagé à vous donner 10 000 shekels, vous êtes devenu mon créancier, je vous dois de l'argent. Je suis comme si je vous avais emprunté de l'argent. Parce que dès que je me suis engagé à vous donner, je te dois. Je me suis engagé à donner 10 000, je te donne un char que je te dois 10 000. Peu importe si tu m'as prêté 10 000, je te dois 10 000 ou je me suis engagé à donner 10 000, je te dois 10 000. Lorsque je te dois 10 000, ça a des règles bien spécifiques qui se trouve dans les lois du Choshen Mishpat, dans l'action que je vais qui touche au Choshen Mishpat. Lorsque je me marie avec une femme, je m'engage à nourrir les enfants qu'on va avoir, et à la nourrir à elle, et même la nourrir à elle, même après le décès du mari, qui devra nourrir à elle, et qui devra nourrir sa femme, et tout ça, ça, c'est plus un engagement classique de payer quelque chose, mais c'est un statut de Ktouba, qui est régi avec des lois spécifiques aux lois de Ktouba. Ramim ont fait plusieurs takam. Le principe de notre Mishnah, il est de m'expliquer que lorsque je me marie avec une femme qui a déjà une fille, je dois nourrir sa fille parce que c'est pas comme une loi de Ktouba. Même si c'est écrit dans la Ktouba, c'est pas, je ne le dois pas par rapport aux lois de Ktouba, je le dois plutôt comme une créance. Ok? Selon ce principe, maintenant, on va maintenant expliquer un principe général aux lois de Ktouba. Et après, on va expliquer la différence entre les deux. C'est que, lorsque, de manière générale, Reuven, Yaakov, il doit 10 000 shekels à quelqu'un. Yaakov, il doit 10 000 shekels, il lui écrit un shtar.
Yaakov, il doit 10 000 shekels à... Reuven, il doit 10 000 shekels à Shimon. D'accord ? Reuven, il doit 10 000 shekels à Shimon. Il a écrit à Shimon un shtar. Reuven décède. Qu'est-ce qu'il fait Shimon ? Alors, vous êtes censé déjà répondre à la question. Shimon, il peut aller voir les héritiers uniquement si Yaakov, si Reuven a laissé des biens immobiliers. D'accord ? Nechassim, chez Yeshlem, Acharayut. Des biens immobiliers. S'il a laissé des biens immobiliers, il va récupérer sa dette. S'il n'a pas laissé des biens immobiliers, il récupère. D'accord ? Selon la stricte, il n'a pas de besoin de payer. Après, il y a les Géonim, ils ont fait une takana qu'on pourra quand même récupérer. Marloquet. Je ne rentre pas dedans parce que d'abord, je ne suis même pas aiguisé dans les détails de la lacha. Il y a de manière générale, il y a quand même les Géonim, ils ont fait une takana qu'on peut prendre des biens mobiliers. Mais selon la Gemara, en tout cas, les biens mobiliers, on ne les touche pas. Les enfants n'ont pas d'obligation. Et même une marloquet, est-ce que les enfants, ils ont quand même une mitzvah de payer ou ils n'ont même pas de mitzvah de payer ? C'est-à-dire, s'ils ont hérité d'un compte en banque bien fourni, avec des milliers de shekels, selon la halakha, ils ont pas besoin de payer tant qu'ils n'ont pas un DI, tant qu'il n'a pas laissé des biens immobiliers. D'accord ? Ok ? Maintenant, ça, c'est en général. Donc, je reprends. Si Reuven a dit qu'il doit 10 000 shekels à Shimon, Reuven décède. Shimon va voir les héritiers de Reuven et leur dit : votre père, il doit 10 000 shekels. Je vous fais j'ai un droit de saisie sur la maison, je vous prends la maison. Si par contre Reuven il s'est engagé à payer, et de même plutôt, on va commencer par là. Reuven il s'est engagé à payer aussi tous les frais que lui occasionneront sa consommation de Coca-Cola pour l'année à venir. Vous êtes capable d'évaluer combien de Coca vous buvez? Moi pas, j'en sais rien. D'accord? Quelque chose de flou, un engagement assez flou. On ne sait pas combien ça coûte. Je me suis Reuven, il s'est engagé. Toutes les bouteilles de coca, tu viens à la fin de l'année avec les factures, tu me les donnes et je te paye moi tous les coca. Donc maintenant, ensuite l'année elle avance. Chaque fois que Shimon il va au super, il achète une canette, il achète une bouteille, tac, il garde les factures. Il arrive à la fin de l'année, il dit écoute, moi maintenant ça fait une ardoise de 4000 shekels de Coca-Cola. Tiens, paye-les moi. Reuven, il s'est engagé à le payer, il devra le payer. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va parler du cas un peu plus délicat, où Reuven, j'oublie un détail, non c'est pas grave. D'abord, je continue sur ça, je l'introduirai après, c'est pas très grave. Donc maintenant, Reuven, Shimon, toute l'année il boit du coca, il vient avec les factures. Si quand il vient avec les factures, Reuven est décédé, de nouveau, même principe, il pourra prendre l'argent des héritiers, pour le moment tout va très bien. Nouveau cas de figure que je voulais évoquer, mais que c'est pas grave, on peut le faire maintenant, ça change un problème. C'est que en fait, Reuven, il s'est engagé à donner 10 000. Reuven s'est engagé à donner 10 000 shekels à Shimon. Et Reuven vend à une tierce personne, il lui vend son champ. Et après Reuven décède. Shimon, il ne pourra pas aller voir les héritiers, parce qu'il n'a pas laissé de champ aux héritiers, il n'a pas laissé de bien immobilier aux héritiers, mais il pourra aller voir l'acheteur. Et lui dire, écoute, le bien là, il est engagé, tu dois me payer, j'ai un droit de saisie de 10 000 shekels sur le bien immobilier que tu as acheté, je récupère mes 10 000. Même principe, encore pour le moment, avec l'histoire du coca. Reuven s'est engagé à payer toute la consommation de coca à l'année à venir. Shimon débarque à la fin de l'année, il va voir l'acheteur, il lui dit, écoute, moi, il s'est engagé à me payer que pour toute l'année à venir, toutes les bouteilles de coca que j'achèterai, et ça change rien tout à ce qu'il est mort Reuven. J'en ai eu pour 4500 shekels de Coca-Cola, tu me donnes du bien immobilier que tu as acheté, tu me donnes 4500 shekels. D'accord, ça va pour le moment? Pour l'instant, c'est des données relativement simples. On va apprendre que pour les lois de Ktubot, c'est un peu différent, un peu beaucoup même. Que lorsque... Alors, dans la Ktuba, on s'est engagé à nourrir à la fois... à nourrir du vivant la mère, et même en plus, que le jour où Reuven décède, la mère, elle pourra continuer à vivre dans la maison et à manger, pour le moment, on en parlera plus tard. Il s'est même aussi engagé à ce que les filles qu'il a eues de sa femme, même si elles n'héritent pas, elles continueront à manger jusqu'à qu'elles vont devenir adultes ou qu'elles vont se marier avec quelqu'un. On a déjà évoqué le principe, vous rappelez ? Ouais. De mon vivant, je n'ai pas d'obligation de nourrir mes enfants du point de vue que tout bas. J'ai une obligation du point de vue que
ou chat, il y a une certaine tekana que le père a une obligation de nourrir ses enfants. En théorie, on pourrait avoir des enfants et les mettre dans la rue et qu'ils débrouillent tout seuls. J'ai pas d'obligation. D'accord. Bon, on va pas rentrer dans ce détail, ça se rapporte dans la Gemara, Dafnun dans Ketubot. Il y a maintenant, le père il n'a pas d'obligation de nourrir ses filles. Ni ses filles, ni ses garçons. Mais après le décès du père, alors on a dit que les filles n'héritent pas s'il y a des garçons. Mais les filles pourront réclamer, on donnera à manger aux filles des biens que le père a laissés. Ça, c'est parce qu'on s'est engagé dans la Ktuva, que c'est ce qu'on avait appelé Ktuvat Benan Nukvan. On l'avait évoqué dans une fin de chapitre, je ne sais plus, fin de Perek Vav, j'imagine, oui. Qu'il y avait là-bas la Ktuvat des Benan Nukvan, les filles que. Nekevot, que tu auras de moi, que je le nourrirai, qu'elles sont nourries de mes biens, jusqu'à qu'elles grandissent ou qu'elles soient mariées, qu'elles se nourrissent. Pour le moment, simple, rien de compliqué. Ce qui se passe, c'est que maintenant, Reuven, il avait un champ, il l'a vendu à Shimon. Il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Il a vendu son champ. Et Reuven décède. Alors, attention. Dans la Ktuva, il s'est engagé qu'il donnera à manger aux filles. Mais maintenant, il n'a pas laissé de bien. S'il n'a pas laissé de bien, il n'arrive de rien donner. Est-ce que les filles, maintenant, pourront aller chercher, récupérer l'argent de leur nourriture, des biens que Reuven a vendus à cette tierce personne? Et la réponse, elle est que non. Pourquoi? On a dit que si on s'engage, on doit les récupérer. Alors là, Chachamim, on fait une takana spéciale. Que, en motziin, mina les kurchot, les mazon aisha ve'avanot. On ne pourra pas partir voir ceux qui ont acquis les champs, les biens immobiliers de quelqu'un, pour récupérer, pour nourrir sa femme et ses biens. On peut récupérer par rapport au prix fixe. C'est une takana que Chachamim ont fait, parce que j'explique d'abord le principe. De manière générale, si Reuven y vend son champ, et qu'après, Reuven décède, Shimon peut partir récupérer le champ qui a été vendu, en prétendant qu'il lui dit, écoute, toi tu as acheté le champ en Tavshin Pegimel, en 5783, moi, ils sont engagés que, depuis 5780, que dès que je réclamerai, ils devraient me payer 10 000. Toi, quand tu es parti acheter le champ, il fallait partir, enquêter, et tu aurais facilement compris que le bien était déjà engagé pour moi. Pourquoi tu es parti acheter un champ qui était engagé? C'est ton problème à toi, tu as fait une bêtise. Tant pis pour toi. Le bien, il a été engagé. D'accord? Les biens immobiliers, ils sont engagés pour les dettes. Maintenant, Chachamim ont fait une takana que c'est vrai uniquement pour les prix fixes qu'on peut évaluer. Par contre, pour Mazon, Aïcha et Abanot, le fait de nourrir les filles, comme on a expliqué, c'est quelque chose qu'on ne sait pas sur combien on va s'engager. Parce que peut-être que quand je vais me marier maintenant, peut-être que je vais me marier d'abord pendant 40 ans, 50 ans, jusqu'à qu'il y ait un décès ou quoi que ce soit, Shalom. D'accord? Et maintenant, combien de filles je vais avoir? On ne peut pas savoir, parce que j'en ai avoir une, j'en ai avoir 17, 22. On ne peut pas savoir une fille, je vais avoir quelque chose. Donc c'est quelque chose que c'est. Ça veut dire que finalement, Chachamim ont voulu protéger les acheteurs, que l'acheteur, quand tu vas acheter un terrain, tu dois vérifier qu'il n'ait pas des engagements. Comme ça, on fait qu'on achète un terrain, on prend un avocat pour qu'elle aille vérifier que le bien n'a pas été hypothéqué. Mais on peut hypothéquer un bien que pour quelque chose de défini, de précis. Quelque chose qui est complètement aléatoire, on ne sait pas combien ça va nous coûter, combien il y aura de filles, combien d'argent ça va coûter. On ne peut pas évaluer, on fait un décret, écoute, si tu commences maintenant à donner un droit de récupérer, même des acheteurs, de récupérer un bien hypothéqué pour une somme qui est complètement floue, qu'on ne peut pas savoir combien ça va coûter, les gens ne vont plus vouloir acheter des terrains, ça va faire comme ce qui se passe avec en Israël, où l'immobilier, il ne s'arrête pas d'augmenter, parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, les prix, ils explosent. Alors pour faciliter ça, de même aussi, il n'y aura plus, ou inversement, des fois c'est le contraire, c'est que cette fois-ci, on pourra plus. Tous les biens ils vont être hypothéqués pour les engagements pour payer les dettes. Plus personne ne va acheter des biens parce que les gens ils vont perdre la tête et vont dire qu'on ne peut pas calculer, on peut pas, il y a trop de risques. On a envie de laisser une certaine liberté d'achat et de commerce, quoi. D'accord? Donc du coup, Ramim fait une takana que quand tu vas acheter un terrain, vérifie qu'il n'est pas hypothéqué, mais quelque chose de normal, de logique. Elle a été hypothéquée par rapport face à une dette bien précise, qu'on peut quand même évaluer et estimer combien ça va coûter, est-ce qu'il y aura assez de quoi se faire rembourser ou pas. Mais quelque chose qui est complètement aléatoire, qu'on ne sait pas combien ça va coûter, je me suis engagé qu'en cas de problème, tu viendras récupérer l'argent que ça coûte, la nourriture des enfants,
La Chachamim m'ont dit, écoute, on ne sait pas combien ça peut coûter des enfants. D'accord? Donc maintenant, il s'avère que maintenant, on va essayer maintenant de concentrer tout ce qu'on a parlé, on a expliqué l'idée, maintenant on va concentrer ça sur deux cas de figure. Réhouven décède. Il s'est engagé dans sa clouva qu'il devra nourrir ses filles. Ses filles ne pourront pas aller voir celui qui a acquis le bien de Réhouven pour récupérer leur argent, parce que Chachamim ont fait un décret qu'on ne pourra pas récupérer. Par contre, Réhouven s'est engagé à donner à Shimon 10 000 shekels, ou même à donner la consommation de coca annuelle. Réhouven décède, Shimon pourra aller récupérer son dû chez l'acheteur, parce que là, c'est un prix fixe. Alors là, attention, c'est vrai que 10 000 shekels, c'est un prix fixe. Le coca, vous allez me dire coca pendant un an, c'est pas fixe, mais on va dire, hey, c'est quand même estimable. Il y a moyen de se faire une idée. Combien on peut boire de coca? D'accord? Chacun a sa consommation. Alors calcule une bouteille par jour, et dis-toi bien que ça a été hypothéqué pour, je sais pas moi, 6 shekels fois 300, ça va faire l'équivalent de 1800 shekels. Et on s'arrête là. Alors on sait que tu peux au moins calculer, tu peux estimer, tu peux prévoir le coût dans les deux sens. Le coût, c'est OUT. Comment ça va te coûter? Donc, finalement, l'hypothèque, elle a marché. Par contre, pour nourrir les filles, alors, on ne peut pas estimer. OK? Alors, de ce fait, maintenant, regardez la situation. Je reviens maintenant avec l'histoire de Yaakov qui s'est marié avec Léa et qui avait une fille. Léa, elle avait déjà une fille, de Dina. Il s'est engagé à la nourrir. Et en plus, Yaakov, il a eu avec Léa, il a eu encore trois filles. Maintenant, Yaakov, il a vendu un terrain. Et ensuite, Yaakov décède. Alors là, regardez comment ça se passe, ça va être rigolo, quoi. Que ces vraies filles, elles ne pourront pas partir chercher à manger chez celui qui a acquis le terrain. Tandis que la fille Dina, chez qui il s'est engagé de payer pour une durée fixe, durant 5 ans, il devrait lui donner, on va essayer combien une fille elle peut manger pendant 5 ans. 20 shekels par jour pendant 360 jours, multiplié par 5, on fait l'addition, et puis on arrive à un prix, c'est estimable. Dans ce cas-là, la fille, la Dina, elle pourra aller récupérer son argent, alors que ses propres filles ne pourront pas les manger. Vous avez compris le principe? Ben regardez comment c'est dit dans le machin. Mais tout, on revient maintenant sur l'histoire. En fait, je reprends l'histoire initiale, il y avait Yaakov, il s'est marié avec Léa, il s'est engagé à lui payer, après Léa, elle s'est mariée, il a divorcé, elle est partie se marier avec Nachshon, et ensuite Dina, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et après, on a Yaakov et Yaakov, on prenait le cas que Yaakov et Nachshon, les deux, ils décèdent. Eh bien, Bnotehen, leurs filles, Nezonot, Minchasim, Benechorin, ils ne pourront être nourris qu'à partir des biens qui sont libres, qui n'ont pas été vendus, que les biens que les héritiers possèdent dans les mains. Par contre, ils ne pourront pas aller chercher les biens qui ont été vendus. Vehi, par contre, cette fille-là, la petite Léa, là, et la petite Dina, elle pourra même partir récupérer ses repas à partir des biens qui sont meshubadim, qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, c'est-à-dire qui sont hypothéqués, qui ont été vendus à une personne étrangère. Pour quelle raison? Parce qu'elle a un statut de baalatrov, elle a un statut de créancière. D'accord? Elle n'est pas nourrie en guise de ktouba, mais en guise de créance. Et là, dans ce cas-là, on pourra récupérer l'argent chez les acheteurs, chez ceux qui ont acquis les terrains. La Mishnah conclut maintenant, pour éviter toutes sortes de situations, apikrine, les gens intelligents, plutôt picard, c'est celui qui voit, qui réfléchit. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est roué et anolad. Dans le cas vôtre, on va le voir, les ukhacham, roué et anolad, celui qui prévoit les situations. Pas qui se jette à l'eau, et puis après, il ne sait pas comment se sortir. Donc apikrine, c'est celui qui voit loin, qui envisage éventuellement les cas complexes. Yaakov, il va se marier avec Léa, c'est très bien, c'est très sympathique, il est content de se remarier, mais allez savoir s'ils vont réussir à accorder le violon ensemble, peut-être qu'ils vont divorcer. Donc les gens intelligents, Ayukudvim, ils écrivaient quand ils s'engageaient sur de nourrir la fille de la femme, Almenat she'azun et biter chameshanim kolzman she'atimi, ils précisaient, à condition que je nourrirai, je m'engage à nourrir ta fille, Tant que tu es marié à moi, comme ça le jour où il y a un divorce, toi, je te divorce, je te donnerai ta ktouba, et ta fille, shalom à Israël, je ne dois plus rien. D'accord? Ça c'est les gens intelligents qui prévoyaient le coup. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de ça, ça pour tout ça.